Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Il faut que tu nous changes COVID-19 là, là. Oui, bon, malheureusement, et je vais là, et là. Réalité. Réalité, réalité, des fois. Fait d'un peu de négligence. Pas de négligence, justement. Fait d'un peu de négligence. Justement, parce que maladie a toujours là. Le principe doit toujours été. Et c'est pas nous, ça raison, où tout le monde est masqué. Oui, oui, oui. Même si distance n'est pas vraiment respecté. Mais tout le monde a masque. Bon, ouais. pas forcément tout le monde. Ouais. Bon, bon, pas si monde qui l'a qui respecte une mesure barrière yo, qui s'est portée. Là, c'est même gardé sur l'écran, nous ambassadeur Canada, Stuart Savage qui l'a et Madame Tizon nous sommes rentrés là. Donc c'est monde, tout ça, nous avons les délais dans le protocole là. Pour ça qui est arrivé. Et nous, notre diplomatique là. Et même si beaucoup arrivent au doyen diplomatique là, on parle de nos apostoliques là. Oui, on nous voit nos apostoliques. Oui. Est-ce qu'on peut remettre les deux créanciers? Et ça, c'est une bonne question. C'est beaucoup remettre là. Est-ce que remettre les parce que je ne pas songer, parce que je suis en cérémonie comme ça sur télévision. Donc, mais est-ce que participation à la cérémonie, ça a conditionné à remettre les deux créanciers là? On ne sait pas. Et même qui sa protocole là dans ce sens ça et donc n'a suivi pour nous garder et n'a permettre de vivre automatiquement et pas gagner présence là et télévision nationale d'Haïti a fait le devoir pour le signaler et pour le mettre li justement pour permettre de vivre li, puisque j'en te dis déjà comme n'a commencé matin nous là pour nous permettre de vivre étape par étape point par point les funérailles nationales du président de la République son excellence monsieur Jovenel Moïse qui nous a quitté entre le 6 et le 7 juillet 2021, nous comptons conditions, nous comptons circonstances, souvelées, avec toutes les nuances que ça m'a dit. Et parce que nous connaissons, selon le premier élément enquête, que la police n'a jamais suspendu de communiquer dans des points de presse que l'IBA est régulièrement supposé ça. Et bien nous-mêmes, au niveau de médias à l'État, nous continuons à suivre l'évolution de la situation, informer au cas par cas sur ce qu'a fait. Oui. Et je dis à ces funérailles-là qui au cœur de l'actualité, et c'est lui qui nous permet de vivre avec particulièrement les gens qui a participé dans le funérail président de la République, là, Jovenel Moïse. Je dis à mon intérêt pour nous, qui est-ce qu'il a, qui est-ce qui vient dans le funérail là. Parce que ça encore, c'est niveau société qui fait que on a pétonné sous Moïse Jean-Charles dans la cérémonie. Il y a des gens qui ont pétonné si y a des gens qui étaient opposants par rapport au président dans le funérail. Alors que il n'y a pas de réponse. Mais longtemps, même si on a dit longtemps, il était toujours à prendre, mais pas un petit sous ambulance. Ce sont déjà à terre, déjà. Pas de le corps. Et moi-même, en province, quand je grandis, je connais plus de monde qui réconcilié à cause de la mort. Dans la mort, il n'y a pas d'ennemi. Non, mais là, si vous regardez, même nous, c'est vrai, nous. Et puis, c'est ça que ça me dit. Est-ce que des fois nous copions ça qui est bon? Parce que l'international, ben, nous pile l'exemple, nos qualités, circonstances, pour nous copier ça qui est bon, pas plus tard que la semaine qui se passe là, on a regardé la République dominicaine, l'ancien président Leonel Fernandez qui est maintenant mort, mais c'est toute la classe politique qui a sympathisé avec elle, et c'est toute classe là, ancien candidat, et ancien adversaire politique, li, mon li soutenu l'élection ensemble avec là, mais c'est tout le monde net qui sympathise. Mais les aventures Calotte et président Macron en tout en France. Oui, là, voilà. Marine Le Pen. Marine Le Pen comme un monde qui sont opposés à Farouche. Condamné avec la dernière vigueur. Il n'y a pas pris le temps pour réagir rapidement pour dire que son président, ça n'a pas que de arriver un président que un civil, un simple citoyen décide de. Monsieur, comment dit ça, comment il dit là rapidement. Parce que c'est fondamental pour nous toujours mettre de côté principe. Pour nous, pour le président Macron, principe était principe. Alors, on va défendre le principe, on va toujours gagner raison. Ouais. Alors, parce que nous n'avons pas de soi aimé à son pas aimé, mais nous avons des origines dans la société, il faut que nous condamnions, il ne faut pas quitter aucun moyen pour être équivoque par rapport à ça.
Parce que là, lorsque nous ne faisons pas ça pour nous faire, lorsque nous ne condamnons pas, j'avoue nous condamner, puis nous avons deux matins quand nous frappons. C'est une dérive que nous ne corrigeons pas, mais un gros scandale que nous avons vécu. Monsieur. Alors, il est fondamental pour que question principale, toujours là, et chaque femme choisit de faire le principe, quel que soit sa lié, envers ou contre tous, n'a toujours bien raison. Parce que c'est là que nous avons arrivé. Faut pas une société du genre fanatique, ou ouais. Brésil, Argentine. Ouais, m'a essayé d'aller droit sous moi, comme même si c'est bien mon père, mon cher, quel que soit ça le fait, nous venons jouer pour me défendre, nous venons jouer pour comme même si je barre mes femmes tête, quel que soit ça le fait, tout, femme, calomel, etc. Et ça mène, nous, ça retourne dans le débat institution, tout. Justement. Ça retourne dans le débat institution, parce que faut nous pas, faut focus là, parce que le monde qui a géré l'institution pendant une période donnée. C'est le monde qui a géré l'institution à côté. Je dis à un monde qui a vassalisé la présidence, un homme qui t'a craché sur la présidence, parce que c'était M. Jovenel Moïse qui était par concours de circonstances qu'on connaît, dans l'élection, qui remportait les élections selon les résultats du Conseil électoral provisoire à l'époque. Et bien, il était venu des privilèges pour diriger l'État comme président de la République. Mais le président Jovenel Moïse, en tant que tel, a bien pour le passé, je dis à la présidence, reste-t-elle quelle? C'est ça que nous comprenons. Je dis à n'importe qui qui a venu président de la République là, il faut nous apprendre à ne pas cracher sur l'institution. L'institution, la volonté, nous devons aller. Et chaque fois, il y a un monde qui viole les principes, là, Jean-Serge nous a dit tout à l'heure, qui déroge à la règle fondamentale, qui veut que nous respections l'institution, il faut que nous condamnions ça avec dernière rigueur que ça a demandé, pour ça ne pas répéter, puisque ça a privé aujourd'hui, hein, parce que c'est Intel qui est dans cette institution, hein, le fait que nous-mêmes, en pile fois, surtout nous qui avons fait politique, l'homme fait politique, ou aspirer à arriver côté moune que peut-être une opposition avec la yé à cap diriger. Donc si vous crachez sous fonction en tant que tel, mais qui ça qui va comme garantie que l'arrivée, puisque soit vous même ou faire politique, c'est prise de pouvoir qui est objectif final. Donc si vous arrivez pour le pouvoir, est-ce que le ça, ou même tout, ou pas la victime de même ça, ou peut-être encouragé lorsque ce n'est pas vous-même qui êtes occupé. Parce que j'entends dire tout à l'heure que mes chimènes moutons, c'est chimènes malènes. Ouais. Bah, elle aime quitter ou à fait, nous pas dire rien pour eux, comme c'est nous pas nous, comme c'est pas. Ouais, il prend le nouveau côté, la pété la figure de nous, et là, ça, c'est nous tous qui a fait les frais. Alors, je veux dire, les fondamentales, et plus que fondamental, parce que gagner des dispositions qui prend, élite pays ça, mais c'est les fondamentales pour que l'élite pays arrive pour dire, mais qui ça nous le fait avec 27 750 km² ça, qui qualité de développement a fait là-dedans, qui choix n'a fait, qui décision n'a pris, qui engagement n'a fait, l'autre pays fait. Pour que ça nous-mêmes tout n'a pas qu'à faire. Pour que ça je dis, il y a toute difficulté ça, regardez ça qui a passé après l'assassinat président, ou souligner les nous pas qu'à joindre une provision légale pour qu'on qui nous cap pour charge, qui nous cap pour continuer. Tout ça parce que nous ne pas renforcer l'institution. Nous avons fait politique, n'est-ce pas vrai? Nous pas arrivé à mettre des institutions solides dans le pays qui gagne, qui gagne dans la figure et qui sont capables de faire face à des défis qui arrivent puis devant. Bon, je dis à un service peut-être, à ce cap passé là, ce moment triste, ce moment émouvant, au président qui nous a assassiné dans la chambre à Kali, un service à Kali pour que nous capables de requis notre choix, qui notre décision, qui notre engagement, nous capables de prendre pour que nous garantissions un minimum de mousette à la population, pour que nous capables, pour l'impunité, capable de cabas, pour faire société sans sanction, ça a fini, pour nous faire des ordres depuis un va arriver, et pour nous affaires, n'est-ce pas vrai, et cabri, pas affaires mouton, chaque monde a pris des petits bails. Nous te disons par l'heure d'ailleurs, monsieur, je dis à malheureusement par aucun ciment, ouais, par aucun côté nous rencontrer. C'est longtemps avec carnaval, tout le monde est là, mais depuis quelques temps, au groupe, nous parlons dans carnaval encore. Longtemps dans l'université de l'État, nous avons rencontré, mais je dis à la catégorie, nous parlons dans l'université encore. Même dans l'école classique, tout, nous avons rencontré, mais je dis à ou pas où elle encore. Chaque monde était dans un clan, dans un petit groupe, est-ce qu'on est capable de faire un pays comme ça? Ouais. Est-ce qu'on est capable de faire un pays, nous avons dit, chaque monde a défendu une chapelle par eux. Il faut faire un bon côté, nous gagner ça, nous le sens du bien commun. Haïti c'est pour nous tous, tout le monde doit avoir des possibilités pour vivre là, on crée des conditions pour nous tous qui vivent ensemble, chaque monde prend sa point, chaque monde profite de sa profiter, sans que le pas déranger l'intérêt là-dessus.
Et c'est là pour nous arriver. Ouais, question pour que nous avons dit là, nous prenons plus gros parti. Parce que là, nous avons un pays quand même qui est la question d'inégalité, nous champions. La question de disparité, nous champions. Ouais, un petit groupe qui est plus fort là, mais pendant que plus fort nous avons gagné. Tout n'est pas arrivé, rebattre ça, rebattre 4 là, pour que la mieux partagée, richesse mieux répartie. Il y a plus de frustration dans le pays. La question de la haine, la privée côté, nous ne pouvons jamais souhaiter. La violence là, prend une proportion que nous ne pouvons jamais imaginer. Et c'est peut-être ça que c'est le plus bon moment, je dis. Qui ça nous doit faire? Mon élite, élite politique, élite économique, élite religieuse, mes amis, le pays se meurt. Et le bas là, passé mal, c'est nous toutes qui sommes victimes. Daniela Ferrier a expliqué bien, ou qu'on a avion ou une first class. Mais s'il a tombé ni first class, ni monde qui n'a pas économique, tout le monde a poil. Et c'est vers ça que nous allons aller, si pas aucune décision qui prend, si pas aucune disposition qui prend, si pas aucun engagement qui prend de côté, monde qui s'est élite pays, pour finalement nous créer conditions pour que Haïti tourne un espace pour nous vivre. Même genre en 1804, nous avons la liberté tout sens li, je dis en 2021, on est ça nous capable de faire pour que nous sortions et garantissions au minimum de mieux-être à la population ainsi et puis chaîne. Là, Fon dit que l'espace là, même si nous mettons focus là sur les personnalités, mais ceci n'empêche pas que depuis l'autre citoyen, son citoyen qui bon côté par eux, il y a un espace là tout, comme monde qui invite une dernière masse qui l'a regardé sur les cons, il y a plusieurs monde qui aux abords de côté exposé cadavre, donc qui pas suspend exprimé. Et hier, par exemple, sur tape suivre messe que municipalité au Cap la tape faire, ou après que le pile son église côté, et nous vraiment, et un peu le monde dans l'église ça, il n'y a pas de suspens crier, par rapport à ça, il y a des proximités, ça a été gain, attente, etc. Ça a été quoi, le président qui mourit. Donc, et sur façon pour dire que dans le monde dans l'espace là, et chaque monde a une raison pour l'autre qui fait au président dans l'espace là, pour venir et donner au mal ça, par le président Jovenel Moïse. Madame, monsieur là, on cite Kenny qui a souligné tout à l'heure, l'enquête là, qui a continué. N'est-ce pas? Il y a des Colombiens qui ont arrêté. Il y a des Haïtiens qui ont arrêté, il y a des Haïtiens américains qui ont arrêté. Mais la question n'était pas d'autre. Qui laisse, qui met ça passé. Bon, qui pas ça, ça qui vient arriver comme ça. Ou bien, je vous dis, à qui profite le crime? Même pensez que c'est peut-être, nous sommes allés un peu sur ça. C'est Livine Bayoule, on n'est pas privé, on n'est pas arrivé, mais on n'est pas privé. Nous venons tourner un principe, nous pas dire, nous prenons l'habitude, nous, le mode de fonctionnement pays, le mode de gouvernance pays. Et peut-être après ça fait un peu fois, nous dans des situations, nous avons recours plutôt à la violence parce que nous avons été quoi. S'il fait tête justice, la pire bon pour lui, tant pour tant que la suivre court normalement pour aller en justice, etc. Parce qu'il connaît la difficile pour une justice, j'en s'attarde au fait là, s'il suit les procédures normales. Et on se pose des questions là, je dis à la. Qu'est-ce qu'a arrivé là aussi? Vraisemblablement, c'est pour madame, non? Vraisemblablement. Si on manque des agents de sécurité étrangers, comme on connaît depuis le retour pour madame, il y a des étrangers. Et qui l'agent, le journaliste, on va y VIP à Capratria. Donc là, il y a des suivis pour nous suivre, pour nous confirmer qui est lié. Mais je ne t'ai dit là, tout ça rentré, et après, ça fait un peu fort, on est obligé de recours à la violence. Parce qu'il était conseillé pour battre la justice. Et on a regardé dans un mouvement qui, par exemple, hier, dans un mouvement qui a fait le nouveau capio, son green bagage nous a demandé, faut que je vienne justice, faut qu'on quitte le monde, faut qu'on etc. Donc là, c'est presque clair que le monde qui a venu là, c'est un membre de la famille, la famille présidentielle là. Et là, de temps à autre, là, voilà, de temps à autre, nous avons approché. Donc c'est Martin Moïse, oui, vraisemblablement jusqu'à pouvoir voilà, on a un chapeau noir. Oui, voilà, c'est là il était pour me confirmer, voilà, ouais, c'est Martin Moïse qui vivait dans l'espace là, et la rentrée. Oui, c'est voilà. Poco... la dernière personnalité que nous avons prétendu. C'est Vin Poco remarqué présent, c'est Timounio.
Mais ça qui s'était là, nous, c'est pour mesdames les plus jeunes. J'ai toujours occasion pour des gens de faire passer frustration. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, on va pouvoir sympathiser de façon paillot avec Martine. Voilà, chaque monde a sympathisé de façon paillot avec madame là. Voilà. Qui là, les montées espace côté exposé. Il expose ce qu'elle là. Voilà. Salut. C'est nous saluer. Et c'est peut-être un moment pour dire. Un peu l'émotion. Un peu l'émotion pour dire dernier mot. Recueillir cette dernière conversation avec elle. Voilà. Même si nous connaissons plus mon tout après temps. Et après. Oui, après temps, est-ce qu'on peut parler de cérémonie? Là, c'est vraiment. Là, c'est vraiment là, c'est peut-être en toute intimité la parole en son avis là, garder des messages, etc. Vous avez un journaliste qui a interviewé Mme Moïse. Oui. Cela est. Mme Moïse, c'est pas oublié, Mme Moïse, nous sommes capables de dire son survivant, les assassinats qui passent là, en plus de Timounio. Voilà, Timounio, comment c'est Timounio vivant là. Jovenel Moïse Junior, Jean-Maline et Jovenel, ils sont présents. Voilà. Là, nous t'as suivi. Là, ok, pour nous. Il n'est quand même pas l'ouvrir. Il n'est pas l'ouvrir. Donc, madame, famille présidentielle, la liquide de ce siège qui est là, sous l'estrade là. Pour qu'elle aller suivre. Pour la ZAC, elle dit que là, nous n'a pas proché. 10 heures. Et puis, démasquer. N'a pas proché petit. Mais une minute à 10 heures. Déjà 10 heures. Mais en attendant 10 heures, arriver. Et si vous permettez maintenant pour nous faire copier un protocole qui est établi. Allez-y. Bien avant, on commence avec cérémonie religieuse là. Pour aller au nom militaire, une présidentielle qui a joué hymne national, que on va jouer, célébrer après hymne national là. Célébrer pour aller entrer sur l'estrade là. Et c'est les célébrants financiers sur l'estrade là, ils peuvent commencer effectivement avec une cérémonie religieuse là. D'abord, tout à l'heure, jeudi, matin même, c'est le dernier hommage avant le cadavre président Alain Batet. Mais avant ça, depuis après confirmation de mon président 7 juillet le matin, il y a un pile cérémonie hommage qui est organisée. Un peu le secteur, un peu l'acteur de la vie nationale là, des gens qui côtoyaient le président, des gens qui étaient proches du président, organiser des cérémonies, autorité, organiser des cérémonies qui étaient rendu hommage à président, nous qu'à citer parmi nous et nous sommes des cérémonies que la délégation du département à l'Ouest là, qui est en tête et Gary Bernadotte était organisé en hommage à président Jovenel Moïse, nous sommes avant ça, tu as gagné des projets et manger à l'honneur. Nous avons parlé national, toujours en coordination avec la délégation départementale l'Ouest là. Et pendant la semaine qui se passe là, il y a le cabinet ministériel sortant, qui est en tête, le Dr Ariel Henry comme premier ministre AI, qui a organisé une cérémonie hommage au niveau du musée Panthéon national haïtien et pour le président Jovenel Moïse. Hier même, il y a gagné dans Mopana. Avant-hier, dans Mopana, madame a pu recevoir salutation de monde qui était venu et sympathiser avec lui et souhaiter les mêmes personnellement qui sont victimes directes dans ce qui passé à un point d'établissement, mais tout présenter sympathie, condoléances à la famille présidentielle là. Hier soir, dans le Cap Haïtien, Hôtel Marie-Christophe, tu as gagné une cérémonie, salutation toujours, hommage. Sous place là, tu as gagné activité. Activité pour rendre hommage à président. Donc, un peu partout, à travers le pays, et en cité de M. Nidaler, tu as gagné une messe. Oui, un peu partout, dans pile mairie. Mairie au Louvre, registre condoléances, côté, dans municipalité, à mon commune, vient signer, vient présenter au dernier hommage by président de la République. Et là, c'est célébrant qui commence à prendre place.
et pour nous capable rentrer je ne connais rien d'emblée dans cérémonie tout bon parce que là dernier monde nous t'attend nous arriver c'est famille présidentielle là et ces derniers monde nous t'attend et après famille présidentielle là dernier catégorie monde qui t'attend c'est le bon qui ont même arrivé quoi est là nous va permettre nous vivre dans l'égalité cérémonie religieuse dans l'occasion funérailles nationales président république là Jovenel Moïse 58e président d'Haïti. Vous avez suivi l'hymne présidentiel, on reste debout et à présent c'est l'hymne national qui sera toujours exécuté par la fanfare des forces armées d'Haïti. C'est funérailles nationales, président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, qui est assassiné dans la condition de tout connaître. Jean célébrant et blessa, célébration Jodia, c'est une célébration la vie, c'est pas célébration tristesse, parce que le président Jovenel Moïse, tu es toujours bataille pour la vie, il t'a bataille pour justice, il t'a bataille pour intégration, il t'a bataille pour la vie meilleure pour le peuple haïtien. C'est vrai, je dis à nous tous tristes, nous tous dévastés, mais nous avons obligation pour nous voir l'aller dans honneur, dignité et respect. Moi, invitez-nous, Fontichita, nous allons passer, célébrant principal là la parole pour oraison pour défunt président Jovenel Moïse. Merci de vous rasseoir.
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Pour Maxime, c'est pour Jésus grand maître là, ensemble avec bon Dieu Papa qui remet nous, ensemble avec l'Esprit Jésus qui levait bien vivant, lui met gros espoir dans le cœur et soutenir dans tout mauvais pas la vie. Amen. Président Jovenel, dans le jour baptême, bon Dieu débat la vie qui ne peut finir. La vie pâle là. La vie personne ne peut prendre en main ou non. Je dis, côté n'a célébré la vie à tout ça au fait dans le temps, n'a rosé ses cœurs avec l'eau ça qui fait songer nous tous qui baptisés. Et qui prend responsabilité baptême nous comme chrétiens dans la société et tout pas au côté du passé, dans la mort, tant qu'on a la vie, c'est pour mon Dieu nous. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, parents et amis et pour eux, Mesdames, Messieurs, permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venu, certains de très loin. Le salut à la gare de son dernier départ. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis, vous n'en reviendrez pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa me décampait dans même la course à... Et grand-papa m'a couché dans ses cœurs. Papa m'a dit courage sur lui pour te parler de papa. Il t'a mis courage sur lui pour lui dire qui j'en ai mon papa m'a dit. Qui j'en ai élevé. Éducation de recevoir de lui. J'en ai donné monde qui te travaille. J'en ai aimé et j'en ai respecté. Je dis, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est un monde qui est rempli avec l'amour. Même les gens vivent dans mes temps méchants. Papa, c'est un modèle pour chaque grand monde.
papa m'a dit honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché d'être ensemble, même s'il t'a vécu dans la traite. Il était une compassion. Il était toujours l'aidé. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader. Un vrai leader. C'était président nous. C'était président Pamout. C'était un président tête grande, petite peuple. Un président qui a assassiné la haine. C'est un président qui a vécu pour le peuple. Et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais. Il y a des gens qui font nous, papa, des fois, dans un tyran. Il y a des gens qui font nous, dans un méchant, dans un diable. Il y a des gens qui sont payés pour tout ça. Mais moi, je connais tout que, le matin 7 juillet, j'ai pas fait, mais je n'ai pas noté l'ouvre. J'ai pas noté l'ouvre. Nous, bien fait, nous, là. Alors, c'est ça que nous avons essayé de manger. Je vais mettre des garçons et des femmes sous nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires libres dans chaque action que nous posons. Les gens qui ont un accent, c'est des choses qui sont fragiles. Je vous dis, on l'a, des gens disparaissent. Mais on l'idée qui est simple, mais elle est éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtien. Tout Haïtien doit avoir le même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais lui douce pour tout le monde. C'était l'idée ça. C'est l'idée ça, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, il a assassiné. Mais pas oublier. On lit des plus puissants parce que n'importe qui. L'idée continue de vivre et continue de grandir. Même les amis ne pas. L'idée est éternelle si on prend racine dans le. Ce n'est pas la première fois qu'on a assassiné le président. On a déraciné papa. Et pourtant, Jean y a dit, on n'a pas jamais changé. Mais nous allons faire même erreur que fait plus que deux siècles à faire. Nous allons vous remercier, vous nous allons vous remercier. Mais il faut que nous vous marquons sagesse. Ce n'est pas la violence pour nous. Nous allons vous remercier. Oui, nous allons vous remercier. Mais nous allons vous remercier toute tête, nous. Par les amis vietnamiens. On sait que chaque action, chaque décision nous prend, continue à honorer mémoire président, son excellence Jovenel Moïse. Enchaîné c'est occasion pour nous chercher moyen pour nous faire tête nos forces parce que j'en dis je dis à nous marquer tristesse avec désolation n'a célébré la vie un gros garçon qui était un rêve pour nous chaque qui l'a petite soeur majorité nationale PIA. Il rêve ça, il faut continuer à nourrir, il faut une bataille pour atteindre l'objectif président Jovenel, il faut une bataille pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui, il faut une bataille. C'est avec l'honneur et respect, m'a introduit Madame Ni, Martine Moïse, une femme qui a un pile courage, qui une fois a pris courage à deux mains, même s'il a souffert,
pour le petit morceau dans la salle senti. Merci, merci. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les représentants des pays amis, mesdames, messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, mesdames, messieurs les représentants des institutions indépendantes, mesdames, messieurs les officiels des 10 départements de la République, mesdames, messieurs les représentants des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les représentants du secteur privé des affaires, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames, messieurs les représentants de la diaspora, frères Maxime dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier pour votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Première dame Martine Moïse prend un souci pour respecter dernier volonté président République. Vous dire au revoir à mon président. Jeudi 22 et vendredi 23 juillet 2021, c'est deux jours fériés à Canchomé. Dans ce sens, administration publique, commerce, industrie avec l'école, pas de travail pendant deux jours à yo. Disposition s'est adoptée, mais on arrive. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjouée, dotée de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Cet homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire que seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne avant lui n'a vu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres ronflants dont ils s'affublent. Expert ex-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvait conduire à autant de choses. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes.
quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparée. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts aux tiens? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassin a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays, provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter. Espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez.
Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir un jour. Pars avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur, pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. L'homme à ces haïtiens qui vivent dans quatre coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui viennent supporter la famille dans un moment difficile, ça, nous disons merci en pile. Présence ou ben nous force à courage pour nous kakembe. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas qu'à assassiner Vision. Ils n'ont pas qu'à assassiner l'idée. Ils n'ont pas qu'à assassiner le rêve qu'ils ont pour le pays. Nous perdons une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. L'idée là pas fini. Jovenel Moïse n'a pas plagué nous en route. L'idée a déjà montré nos chemins. Et l'a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. M'a coupé bien bas devant cadavre potori garçon ça président Jovenel Moïse Marim yon bon papa yon bon mari yon bon président yon bon soldat nous fait toute campagne ensemble passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie frère action nous a subi. Jodi à Mabdil son au revoir, ce n'est pas un adieu. Je salue chaque monde qui vient saluer des pas pour tous les garçons ça. Qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui a un privilège, pas de comprendre, mais qui voulait dire un pile bagaille pour le monde en dehors. Le jour qui est 7 juillet, c'est un jour où le monde sans foi ni loi paraît à toute volonté pour le chavirer. Chaudier l'espoir pour moun ki pi mal yo, pour gros otey yo, pour tèt kanay yo. Moun ki te commencé pran sante l'espoir ak développement parce que wout ap fèt bon la kay yo. Poto ap mete, courant ap bay, pompe solè ap installé pour kwape gran gou. Jou 7 juillet, meche yo planifié pour yo couper soufou. Sans yon patron yon compte, qui mal yon tap fait pays, qui mal yon tap fait moun Haïti, qui mal yon tap fait diaspora. Moi connais ou pas de jam remè politique, jou. Ou pas de jam vle entrer dans politique. Monte toujours vle un changement réel. Ou te toujours vle la vie meilleure pour sa pi pauvre yo. Moi pas de penser que ti changement ça, ou te vle faire. Te ka met de l'eau dans toute famille. Te ka met de l'eau dans tout peuple. Mwen pa pense que route de l'eau courant, qui se base développement tout peuple sous la terre gagne, qui se base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, ta ka mette nous dans chagrin éternellement. Nous t'ai toujours ou t'ai toujours voulu pour graisse cochon cuit cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que le pays a été loxou. Ça c'est la cause que les gens qui ont contrôlé les gangs, c'est la guerre de eux. Ça c'est la cause que la conspiration village Tibois, te manqué pour toi aller. Ça c'est la cause que vous avez payé mes aînés. Vivre dans le pays, rester pendant plusieurs mois, puis vous avez tant 6-7 juillet, pour vous éteindre, tant que vous avez l'air dans le vent. Yo goumen, juste mec doate. Jo, oligak yo gagne une bataille. Mais yo pa konn si peuple a commencé ouais clair.
si le peuple a commencé à comprendre, si j'ai le calé, qui donc ou devant? Nous perdons bataille, mais la guerre a beaucoup fini. Faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché. N'amendez-nous, créez un petit espace, s'il vous plaît. Information. Protège en tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. N'oubliez pas de nous abonner avec chaîne là. En attendant, nous gagnons l'autre fois hymne présidentiel et hymne national. Fanfa, force l'armée, d'accord. Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin ou matinée. Dernier mot.